Salut tout le monde! Eh oui, je continue à courir, j'avais dit une fois, je ne m'arrêterai jamais. Oh oui, en fait, j'étais à la fin du deuxième niveau, j'ai pas été bien plus loin. Donc, salut, bienvenue donc pour la troisième partie de Action 52, donc sur Mega Drive. Donc, bien sûr, j'ai pas fait Ninja jusqu'à la fin parce que c'est toujours le même niveau qui revient en boucle apparemment. Et c'est de la grosse merde. Donc, on continue notre petite aventure actionnesque sur ces, donc, tous les gros jeux de merde. Et donc on est arrivé donc au 26ème, mine de rien, on a fait plus de la moitié. Non, pas encore, on va faire la moitié. Là, on est arrivé à la moitié. Donc slalom. Mine de rien, on est déjà arrivé à la moitié. Donc ce sera sûrement en 3 parties ou 4 parties, je ne sais pas. J'arriverai pas jusqu'au bout, donc je pense que cette vidéo sera en 4 parties. D'accord, slalom. Donc je slalom, on trouve rien du tout. Qu'est-ce que c'est que ça? Pourquoi? Pourquoi quand je percute un arbre, je... D'accord. La hitbox elle est toute pourrie. Donc c'est un jeu où il faut éviter les arbres, hein, apparemment, je suppose. Donc c'est poussé par le scrolling sur votre haut. Mais je ne veux pas y aller, je ne veux pas, maman. Dans cette superbe piste de ski absolument plate. Il ne se passe rien. On se fait chier. Et on passe au suivant. Alors, ensuite, donc slalom Dauntless. Alors là... Qu'est-ce que c'est que cette merde? Oh putain! Yeah! C'est super! Tous les nuages à la con là qui sont devant. Tous les ennemis qui se mettent, voilà, les ennemis qui passent devant et qu'on ne voit pas. Moi c'est bien, c'est que dans celui-là il y a moins de shooters spatial. Enfin, si ça se trouve, les 50 derniers, enfin les 50, les 10 derniers ça va être que ça, mais il y en a déjà moins. Pourquoi c'est vraiment tout pourri? Je ne supporte pas. Alors du coup, on va passer au suivant. Force One. Oh là, ça arrive pas. Force One. Level One, Force One. Ah bah c'est bon, il suffit de parler de shooter spatial. Ouais. Moi j'adore, c'est les tirs qui se confondent avec les étoiles, c'est ça? C'est des tirs ça? Non. Personne ne tire dessus. Je suis déçu, j'ai plus le vaisseau Omar de... Action 52 sur... 52 sur... sur NES. Oui d'accord, en fait. Pas besoin de tirer plein de fois. Tenez, vous allez tous mourir. On va tous mourir, il n'y a même pas un power-up, quelque chose... Ça fait tout moins 120 les mecs, je veux dire. Faut pas détruire ces machins-là? Ah bah apparemment non. Bon, bah allez. Pas de shooter spatiaux pour moi aujourd'hui. Alors... Bon, slalom c'était pourri, donc Class Force One, Spidey. Spidey. Ou Spidey. D'accord, je suis une araignée. Je pense qu'il faut que je mange toutes les mouches en évitant les fourmis. D'accord. Ouais, d'accord, c'est ça. Ce jeu en fait s'appelle Action 52 et... Franchement, il n'y a pas beaucoup d'action, je trouve. C'est vraiment beaucoup de jeux assez plats et assez ennuyeux. Je veux dire, le jeu de memory, le jeu de taquin et tout. Ah, c'est les ancêtres de l'action, c'est hein. Ça s'appellerait Memory 52 ou Reflection 52, je ne sais pas quoi. Bon, et ben, c'était bien le temps que ça durait, mais c'est devenu très chiant. J'ai pas non plus tous les faire. Je sais pas que. Je me pencherai sur la question de savoir s'il est possible ou pas de finir les jeux, en fait, s'il y a vraiment une fin ou pas. Apple Seed. Who craved you? Je suis un vieux fermier, il faut que j'aille récupérer les poumes. D'accord. Faut qu'il se dise. Ah oui, il faut pas récupérer les pommes vertes. Mon dieu, j'ai récupéré les pommes pourries. J'ai fait 50 points. Les arbres, ils sont même pas comme il faut, ils sont tout pourris. Ah oui, d'accord, je peux. Pourquoi? Je ne saute pas dans les pommes. Mets pas tes doigts dans la porte, tu vas te faire passer très fort. Allez. Je peux faire tomber la moitié des pommes. Oulé. Ça gêne personne. Ah, il y a Action 52, hein. C'est de l'action. Avec la cueillette des pommes. Moi, je sais pas, j'aurais poussé de vie jusqu'à faire la cueillette des fraises. Et des pruseaux. J'ai fait tomber la moitié des pommes par terre, c'est pas grave, apparemment. Apparemment ça marche quand même. Et bah finalement je vais peut-être avoir fini dans cette partie là, parce que vu comme c'est parti là,
Ah, j'ai fait. C'est comme c'est des jeux très courts en fait, très pourris. Skater. Un lobe à rigoler. Waouh. Ah mon dieu, le ballon, ce ballon m'a tué. Ah, c'est vrai que. Mais. Mon dieu. Putain, c'est un chat mort. Mon dieu. Pour tous les obstacles qu'on pouvait trouver sur la route, ils nous ont mis des chats morts, quoi. Mais qu'est-ce que c'est que ce jeu? Après les chiens qui explosent, c'était que la dernière fois, il y avait le chien qui se disloquait dans Freeway. Et là, on a des chats morts, quoi. Pourquoi? Pourquoi des chats morts? Les chats, ça ne se repose pas sur la route comme ça, on est d'accord, ils sont tous morts. C'est quoi? Mon dieu, il y a des nénettes qui me font coucou. Salut! Mon dieu, des chats morts, quoi. mon dieu, des chats morts. Je m'en remets pas. Sunday Drive, allez. Level 1. Je m'en étouffe tellement c'était. Pourquoi le conducteur de ma voiture il fait un petit mouvement avec sa tête là. Segaville. Segaville. On a le droit de faire ça. Je peux klaxonner. C'est chiant hein. Tout ce que je peux faire. Ah putain ouais, c'est le conducteur. Sunday Drive, ouais. La promenade du dimanche, c'est exactement ça. Hein. D'ailleurs, c'est. Ah, pardon, excusez-moi, j'ai un micro-coma. Allez, on se casse. Alors, hop là, Sunday Drive. Donc, on est arrivé à Star Evil. Celui-là, il était dans l'épisode sur NES. Ouais, c'est exactement ça. Avec le vaisseau vite. Par contre, on se bat plus contre les aspirateurs d'espace. Je suis très déçu. Apparemment, je peux passer dedans. Par contre, je peux toucher les obstacles cette fois. Quand il explose, il saigne en fait. Je sais que c'est censé être des explosions et du feu, mais on dirait vraiment qu'on vaisseau il saigne, quoi. Je veux dire, ah merde, le mur. Au moins, je lui reconnais celui-là. On peut pas mourir dès le début parce qu'il va moins vite. C'est comme il est quand même beaucoup moins speed que l'épisode sur NES. C'est chiant, hein. Comment? C'est trop nul, c'est trop de la merde. Je sais, les zappe très vite les jeux, mais franchement, c'est tellement pourri. Alors, du coup, je vais t'arrêter là. Air Command. Il y a Magic Bean, j'ai vu. Oh putain. Ah là, ils ont voulu jouer la carte de la différence. C'est un shooter, mais alors dans la direction inversée. Parce que d'habitude, c'est vrai que dans tous les shooters du monde, ça va du. Enfin, on est en bas de l'écran et putain, quand on meurt, c'est bugué. On est donc en bas de l'écran et on va vers le haut, et là ils ont voulu faire la différence. Hein. On fait strictement l'inverse. Pourquoi pas? C'est original, au moins on peut lui accorder ça. C'est rare, les shooters, on va dans ce sens-là. Par contre, c'est pourri. Hein. Écoutez cette musique dantesque. Ouais, hein. Ça vaut du rêve. Hein. Je vais m'endormir si je change pas de jeu. Action 52, oui. Eh bien. Shoot out. Level 1. D'accord. Mais comment ça se fait, qu'est-ce qui se passe? J'ai pas de. Qu'est-ce qui se passe? Comment ça fait que je peux pas viser au. Comment ça marche ce truc? Je suis en train de me demander comment je fais pour viser vraiment. Ah oui, d'accord. En fait, je me demandais si je pouvais viser sur une case sur l'autre, mais en fait, non, pas du tout. C'est du caca en boîte. Quoi. Une boîte de caca. C'est vraiment de la grosse. Oh putain, oh, ça speed là, ça rigole plus. Hein. Ah, et en fait, c'est la même. Pourquoi ça fait poète quand je bute un ours? T'as les machins, ils ont l'air innocents en plus. C'est, ils ont pas des. Franchement, je m'impose. Hein. Ils ont pas des têtes de dépressifs, ces ours. Tuez-moi. D'accord. Merci. Ils ont pas des têtes de suicidaires, ces ours.
avec les oiseaux sous LSD. Mon dieu, next. Allez, zou. Je crois qu'on va faire les 52 cette fois. J'en suis sûr même. Allez, bombe ça, ouais. Level 1. Oh putain. You, je saute plus haut que les maisons, regardez. You, si je reste à droite, du coup, comme dans Ninja. Oula, j'en ai fait tomber ma manette. Tellement ce fut violent. Et ouais, je crois qu'on restera à droite, du coup, forcément. Ouais, bah je reste à droite, du coup, et il se passe rien. Bon bah voilà, bah sur ce, bah, je ne vais pas vous laisser là, mais bon, comme je vais faire durer la vidéo 10 minutes de plus, on va rester 10 minutes comme ça, c'est ça? Mais non, pas si tiens, on peut mourir quand même. Le destin m'a puni, j'ai explosé. Bon allez, on va quitter ce jeu pourri. Donc on en était arrivé à celui-là. Bon, vous avez, donc Speedbot. Ouais. Speedbot, quoi. Wouah, quel sprite magnifique. Speedbot. Et il est où la vitesse? Au revoir, on a. Oh merde, je suis cogné sur un bout de caillou. On dirait un sprite de vaisseau. En fait, ils voulaient en faire un shooter spatial. Ils ont recyclé le sprite de vaisseau spatial. Parce que. Je sais pas, on dirait clairement vaisseau spatial le truc. Oh mon dieu, un vieux pêcheur pourri. Ils sont violents, les pêcheurs ici. Attention, un speedbot vert. 2. Wouah. Ça vend du rêve. C'est merdeilleux. Tiens, je vais me cracher sur un vieux pêcheur. Théoriquement, c'est moi qui aurais dû l'éclater, mais c'est pas grave. Next. Voilà. Force One. Je l'ai fait Force One, je me souviens plus. C'était quoi déjà ça? Ah oui, c'était ça. J'avais un doute. Je me souvenais pas de l'avoir fait. Pour dire que les jeux, ils me marquent. J'ai fait il y a 2 minutes, mais enfin, il n'était pas 2 minutes, mais je me souviens déjà plus. Dedans. Ah, Dead Hunt. Oui, le retour de la. Oui, forcément, comme dans Action 52. Ah, mais cette fois, elle peut bouger, ma souris, ma fourmi. D'ailleurs, c'est les sprites de fourmis qu'il y avait dans le jeu avec l'araignée de tout à l'heure. D'accord, donc en fait, les araignées sont immortelles. D'accord. Il y a de plus en plus d'araignées, mais elles sont immortelles. C'est cool. Oh mon dieu, je suis mort. On sent que c'est un carré d'herbe qu'ils ont arrêté à peu près là comme ça. Tchic, tchic, tac, et qu'ils ont juste collé 4 fois sur l'écran. Elle a plein de textures dégueulasses, quoi. Oui, je sais, il y en a qui vont dire essayer de faire mieux, mais non. Peut-être que je pourrais, je ne sais pas. Je n'ai pas de niveau non plus très élevé. Hop là. Alors, du coup, next. G-Fighter. Ah, G-Force Fighter, ça me dit quelque chose. Quand ils avaient un shooter spatial comme ça. Le nom dit quelque chose, je crois qu'il y avait ça dans Action 52 sur NES. D'accord, les ennemis qui viennent de derrière. Le vaisseau spatial qui crie quand il meurt. Ah. Le nom dit quelque chose, hein. Après je peux me tromper, je ne sais pas de tous les noms, hein. J'ai pas retenu les 52 noms des jeux sur NES. Ni celui-là, j'oublie la moitié déjà en route. Si c'est pas plus. Bon, ça va faire passer à tout ce qui est plus classique. Là, il n'y a plus rien. Bon, allez, next. On s'emmerde pas. C'est des bons caca, hein, quand même. C'est bien pourri. Hein. Alors, Man at Arms. Level 1. Alors. Je suis l'arbalétrier. D'accord. Ah, chevalier, attention. Je suis un arbalétrier, je tire des flèches qui sont plus grosses que mon arbalète. Et d'ailleurs, je tire avec ma tête, donc pas avec mon arbalète. Et j'ai jamais vu un arbalétrier tirer aussi vite à l'arbalète. Hein. Ça, c'est une arbalète à répétition, mais alors. C'est une sulfate arbalète. La sulfateuse, ouais, c'est ça, c'est une arbalète Gatling en fait. C'est un minigun qui tire des flèches. Lisa, tu vas mourir. C'est ça, c'est qu'on peut. Quand on tire plusieurs flèches, il meurt plusieurs fois. Ça, c'est les Bioman qui m'attaquent ou quoi? Je suis force jaune. Je suis force bleue. Je suis force jaune devant, marron derrière. Oh, les Bioman. Tiens, dans ta gueule. Allez, hop. Au suivant. Tous ces messieurs.
Norman. Ah. Ah, comme le truc du désert avec Saddam Hussein. Ah, les soldats, ils ont pris une... Oh mon dieu. Ah oui, d'accord. Maintenant, sauf que voilà, c'est un jeu où on meurt tout le temps maintenant. Hein. C'est ça, c'est dès que je me fais toucher, je meurs. Tant qu'il saigne aussi quand il meurt. Apparemment, je vais buter en de... ce soldat en dehors de l'écran. Youhou! Oui, je peux changer. Ah, d'accord. J'allais dire, je crois que ce jeu a oublié de me mettre des ennemis, mais ça, apparemment, ça lui arrive souvent. Mon dieu, cet homme avait du sang jaune. Celui-là aussi, ça, c'est, il tire des obus. Genre, un soldat, ça touche un tank, le tank il explose, quoi. Genre, quoi. Bah, allez, sur ce, next. Oh, on a presque fini, mine de rien. Armor Battle. Ouais, bah je vais aller jusqu'à la fin, en fait. D'accord, c'est le même jeu que tout à l'heure, mais sauf que c'est à deux joueurs, cette fois. D'accord, ouais, c'est ça. En fait, c'est exactement ça. Donc, bah, je vais pas m'attarder dessus, hein, comme c'est un jeu pour deux joueurs, et que je suis tout seul. Tac tac tac, Armor Battle, donc non, Magic Bean. Level 1. D'accord, ah c'est ouais, d'accord. C'est comme City of Doom, je crois que c'était le jeu où je reçois des épées. Là, j'ai plein de mecs en dessous, c'est Jack et Rakogic, des tasses, des chars à chevaux, à cheval. Oui, c'est comme dans City of Doom, non, c'est comme dans City of Doom, en fait, avec mon escalade et l'immeuble avec des trucs qui nous cassaient la gueule, sauf que là, c'est automatique, et si je touche pas la manette, ils montent tout seul. C'est Jack et le haricot magique, je dois monter. Je me souvenais pas qu'il passait en dessous des racines et que le géant lui garrotait plein de trucs avec les bouteilles d'alcool et tout. Je prends le mec qui habite en dessous, hein. Oh putain, c'est quoi ce bordel dans mon jardin? Marc, au prix de l'acier, il peut les revendre, hein. À l'époque, il peut les revendre. Oh mon dieu. Je suis arrivé au château dans les nuages. Ah, alors, quel est niveau 2? Oh putain, déception! Oh, je suis déçu. Bon, je m'attends pas à grand chose de ce jeu-là, mais... maintenant, ça tombe sur sa vol en diagonale. Mais je m'attendais à un niveau dans le château ou quelque chose comme ça, mais non, c'est la répétition bis repetita du niveau 1. Donc allez, next. Pas se casser le cul avec cette merde. Espèce de grosse bouse infâme. Alors, le prochain, c'est Apache. Je parie que c'est un jeu d'hélicoptère. Ou un jeu d'indien. Ouais. Ouais. Ouais, la notion de... je suis mort en touchant des nuages sur le côté. C'est ça, on meurt en touchant des nuages? Ah oui, complètement. D'accord. En fait, c'est... je me suis fait... ce jeu, enfin, une perspective... mais qu'est-ce qui m'a tué, là? Qu'est-ce qui m'a tué? Mais... attendez... non, là, je... objection. Objection. En plus, c'est normal au début. Rien à foutre. Objection. Je remets Apache. Objection. Là, c'est le truc gris qui me tue. Là, là. On est d'accord que, vu d'ici, c'est un caillou qui est en bas. C'est pas du tout un... et ça me tue. Mais... ça me tue. C'est un caillou, attendez. Objection, votre honneur, quoi, je veux dire. Les nuages... le lac me tue pas, le... par contre, les cailloux, oui. On voit clairement qu'ils sont pas sur... d'accord, la pression de profondeur, elle est nulle, mais on voit clairement que c'est des cailloux qui sont en bas, ça. Mais comment attendez, je... pareil que les tanks aussi, ils me tuent. Regarde, on voyait que les cailloux, ils passent sous les nuages. Les tanks aussi. D'accord, ok. C'est vraiment décodé avec le cul, quoi. Les tanks qui sont censés être au sol, et les cailloux qui sont censés être au sol, me tuent. Alors que je suis un hélicoptère. Et on voit bien que je vole très haut, s'il y a des nuages à côté de moi. Mon dieu. Non, il s'est juste créé un chemin dans le brouillard. Ça doit être ça. Par contre, du coup, les arbres ont MC aussi. Ce jeu n'a aucune logique. Paratrooper. D'accord, faut que je récupère ces machins. En évitant les robots. Ah. Mon personnage fait ouh à chaque fois qu'il touche un mur. Je me demandais si on pouvait le tuer en percutant les murs un peu. Si les éperdent d'énergie, un peu comme dans Dungeon Master. Dungeon Master, quand on tape dans les murs, c'est des éperdent d'énergie.
complete. Level complete, c'est bien. Level eh bien. On s'en va. On s'en va. Voilà, paratrooper. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Il me reste 7. Ouais, bah, je vais les faire quand même. Tant pis, ça sera une vidéo un petit peu plus longue. Pas s'emmerder. Sky Avenger. Oh putain. Ah, c'est le pas. C'est le même décor que dans le truc où on devait éviter les bombes là. Oh mon dieu, je suis mort. C'est, il recycle les mêmes décors en fait. Oh mon dieu, cette animation, on vous dirait. Hein. Je crois que je vais passer à travers les maisons. Non, je ne sais pas. Sur ce, j'ai quitté ce jeu pourri. Alors. Donc on en était à Sharpshooter. J'ai pas déjà fait celui-là. Ah, c'est un shooting gallery. La musique est insupportable. C'est encore plus parti ce genre de jeu, je peux pas mourir. Ouais, c'est exactement ça en fait. C'est une version refaite du shooting gallery de Action 52 sur net. Mais qu'est-ce que j'ai fait sur, pas sur net, sur NES. Je me suis trompé de touche, excusez-moi. Donc, Météor. Non, d'accord, ça aussi c'est une redite dans les jeux. C'était celui avec les capotes enflammées. Ça ressemble moins à des capotes enflammées, là ça ressemble à des météores. C'est ça qu'ils ont voulu faire en fait. Oh, par contre, ouais. Non, c'est le jeu, on peut pas mourir si on, même si on attend très longtemps. On peut s'écraser plein de météorites sur la Terre, c'est pas gênant. Du coup, bah si c'est, comme c'est exactement comme l'autre, il va subir le même traitement. Next. C'est de la merde. Clairement, c'est clairement de la grosse merde. Alors. Black Hole, trou noir. Oh putain. T'as des sprites. Ils ont essayé de faire un truc à la Awesome ou quoi? Avec les gros sprites et tout. C'est le Awesome, Awesome du pauvre. Je le prononce très mal, je sais. C'est de la merde. Oh. Au revoir. J'ai plus de voix, force de parler. Alors, The Boss. C'était pas le jeu avec le crocodile. Ouais, le jeu avec le crocodile. En fait, ce crocodile, c'est un parrain de la mafia. Ah oui, d'accord. Je vois, il y a un autre dollar qui apparaît là-bas. Faut que je récupère tous les dollars. Est-ce que je peux pas... Comment je sais pas, je suis censé récupérer celui-là, du coup. Parce que, attendez, je peux pas aller... aller à gauche et à droite pour aller sur les plateformes. Non, faut que je bute d'abord les deux sbires là-haut. Là, je peux. Ah, d'accord, je vois. Oui, c'était donc ça. En fait, il faut pas que je sois sur le haut de la plateforme, mais sur le bas. En fait, c'est censé être des... Je sais pas, des trucs... des barrières, donc en fait, il faut que je sois sur le bas de la barrière et pas sur le haut. Même ça, ça marche pas. Pourquoi ça ne marche pas? Comment je fais? Ah voilà, putain, c'est au pixel près en fait. Du coup, c'est de la merde. Allez. Eh ben, on va arriver au dernier, je crois bien, non? C'était pas le 51ème celui-là? Allez, alors. First game. Donc, c'est l'avant-dernier, donc ça s'appelle First Game. C'est donc tout à fait logique. First Video Game. Ouais. Donc le premier jeu vidéo. Pong. Sachant que Pong n'est pas le premier jeu vidéo. Si on part du premier jeu vidéo au grand public, c'était donc plutôt Space War. Sachant que si on remonte encore avant, il y a eu... Oui, je vais le laisser comme ça, c'est chiant, mais c'est ainsi. Je vais vous faire un petit laïus, une petite histoire du jeu vidéo. Il y a donc eu aussi Tennis for Two, plutôt, sur les radars. Et il y a eu OXO, bien avant, et Bertie the Brain. Bref, des jeux qui étaient beaucoup plus anciens que ça, dans les années 50, n'est-ce pas? C'est chiant, hein? Allez, j'arrête la torture. Et donc, le dernier jeu, c'est Challenge. On va regarder ce que c'est. Et après, on va s'arrêter là parce que c'est vraiment de la grosse merde. Challenge. Complete the most difficult level of every game in random order. And become a Action 52 Game Master. Ouh, yeah. Deep Charge level 9. Ah, donc il y a 9 niveaux par. Oh, bah putain. Oh, ouais, ça rigole plus. Attention, attention. Oh, mon dieu, il a tout quitté. C'était de la merde. J'ai pas envie de refaire les niveaux.
C'est-à-dire qu'il faut jouer aux 50 jeux. Parce que j'exclus forcément le niveau de. Enfin, le truc de dessin. Alors, musique démo, du coup, c'est. Ouais. Et le dernier truc, c'était quoi? Randomizer, je suppose que c'est pour faire un jeu au pif. On va essayer toutes les options, puis bon, je vais m'arrêter juste après ça. On va essayer toutes les options. Ouais, ça prend un jeu au pif. Et ben, j'ai arrêté comme la dernière fois sur Ninja. Et voilà, c'était Action 52 sur Mega Drive. La bonne nouvelle, c'est que j'ai fait les deux. Donc maintenant, j'ai donc fini avec cette grosse merde. Mais il reste encore Cheetahmen 2. Que j'avais dit à la suite donc de Cheetahmen. Mais j'ai pas envie de le faire tout de suite. On verra bien quand est-ce que je le ferai. Donc sur ce, je vous dis à bientôt. Portez-vous bien, on se retrouve très vite pour de prochaines vidéos. J'allais dire pour la suite, mais non. On se retrouve très vite pour de prochaines vidéos. Allez, prenez soin de vous. Salut!